Establis, c'est une association de producteurs donc, qui est sous forme de coopérative et qui a pour mission de valoriser au mieux la production d'arbres et d'arbustes de nos producteurs en faisant l'assortiment complet, en distribuant vers les jardiniers, les communes et tout public qui est concerné par les plantes. On a créé une coopérative de producteurs dans le but de revaloriser les prix, d'arriver à gagner mieux sa vie et tout en continuant de pouvoir refaire de génération en génération la production de plantes dans notre secteur ici qui est sur les Dins, au cœur du Hainaut, qui représente quand même 54% de la production wallonne. La coopérative J'établis a été créée il y a un an et demi et on arrive plus ou moins à la fin de la deuxième année quand même qui viennent au niveau rentabilité. Donc ce qui nous encourage dans le but d'engager un commercial pour encore faire plus d'économies et plus de ventes de nos produits, mais aussi de manière transversale élaborer un plan économique au niveau de la production parce que il faut que le marché s'adapte à la demande du public. On participe pour faire connaître notre savoir-faire au niveau de salons internationaux du style Groot Groen aux Pays-Bas, IPM à Essen ou bien le Centre du Végétal à Angers. Mais on participe aussi à des actions beaucoup plus locales en conseillant les communes pour le plan Maya, leur donner des conseils au niveau faisabilité, au niveau quel plan choisir pour quel endroit. Et on va même un peu plus loin, on organise une fois par an des orties découvertes avec la Fédération Wallonne de Horticulture où là on invite le particulier à venir découvrir nos installations et leur expliquer quel est notre métier afin que le commun des mortels comprenne ce que c'est que la pépinière et la culture de plantes. Le village de Hesdin a une route paysagère qui permet à tous les touristes et particuliers de venir découvrir nos champs d'une manière très agréable et d'une manière très paysagère quand on en arrive par la route de Brenneau. La coopérative J'établis a comme but et comme rôle principal, c'est de pérenniser notre métier de pépiniériste qui dépend généralement d'une activité familiale ancestrale. Et on veut que ça se préserve d'année en année, donc c'est-à-dire qu'on doit pouvoir fournir des plantes à nos clients de manière avec des prix garantis et garantir aussi la survie de nos pépiniéristes en leur proposant un prix correct au niveau survie. Et pour ce faire, on travaille de manière le plus transversale possible et avec des décisions à l'unanimité dans tous les cas. Le but, c'est que quand nos enfants reprendront les pépinières, ils aient une activité viable et rentable, tout en ayant un rôle social au niveau du village, en engageant le fils de la voisine ou en engageant n'importe quel travailleur du coin. Au niveau des fournisseurs et des clients, on essaie de travailler de manière correcte et dans un commerce équitable. Donc, c'est-à-dire que nos fournisseurs sont des partenaires et pas seulement des fournisseurs. Et nos clients sont dans le même principe, sont des partenaires au niveau travail. Donc on essaie de leur fournir des plantes correctes à un prix correct, tout en garantissant quand même un revenu correct à nos producteurs aussi. L'environnement, c'est la matière première de notre travail, donc c'est-à-dire qu'on est tous pépiniéristes, tous des enfants de la terre, donc on doit préserver notre milieu de travail. Et pour cela, on essaie notamment de créer des variétés locales, de les préserver, de conseiller les planteurs, donc c'est-à-dire les jardiniers, les communes, de mettre du local, et de pourquoi pour arriver à un environnement le plus favorable possible. Notre métier, on y fait attention, on a fait attention au niveau des intrants, au niveau des produits phyto, au niveau de l'eau, de préserver un maximum l'environnement par la récupération de l'eau, par l'introduction de manière non systématique de produits phyto.
mais aussi par la préservation de ravageurs naturels, notamment l'introduction de pièges à phéromones, des choses comme ça. Et pour nous, l'environnement, c'est capital si on veut transmettre notre métier à nos enfants. Ben, si on détruit notre outil de travail, ben, ce sera la première chose qu'on ne pourra plus utiliser par après. Donc si on veut pérenniser notre métier, c'est la première chose à faire, c'est maintenir un environnement adéquat. Végétabilis, au niveau de la préservation des espèces locales, travaille aussi avec pas mal de producteurs qui sont certifruits, c'est-à-dire qui veulent préserver des essences locales, anciennes, qui sont adaptées à notre territoire pour arriver à une meilleure biodiversité au niveau de la vente de nos plantes et pour que le particulier qui achète un arbre fruitier retrouve une essence locale et qu'il n'y ait pas de problème au niveau des maladies et qu'ils ne doivent pas traiter, que ce soit facilement utilisable. Végétabilis, c'est un modèle économique de commerce équitable où on considère aussi bien les clients que les fournisseurs comme des partenaires. On travaille de manière transversale avec nos coopérateurs, nos clients et nos fournisseurs afin que le modèle puisse être viable dans le temps. Et on essaie aussi de conserver notre outil qui est la terre et dans lequel on doit y investir pas mal de temps pour que ce soit préservé. Et on voudrait bien que ce modèle puisse s'extrapoler vers tous les producteurs wallons afin d'être plus forts ensemble et de créer un effet de masse au niveau travail.